Bon réveil, 8h05. Arrivé d'une contrée lointaine, il est venu pour vous sauver. Aucun téléphone ne lui résiste. Faites place au Télévengeur sur Énergie. Salut 6-9, c'est Max. Voilà, je vous appelle pour que vous appeliez mon boulanger, car il est super désagréable avec moi et je voudrais une petite vengeance. Voilà, merci les gars. Il faudrait tout de même pas me prendre pour une poire. Évidemment, hey Max, on va te venger, aucun problème. On va l'appeler ton boulanger désagréable, celui qui ne sait pas pétrir les miches à l'aube. Et on va le venger avec la voix de Patrick Bosso. Max, il va être content. Patrick Bosso, dans ses différents spectacles, qui est notre invité ce matin, à l'occasion de la sortie de La Courte Échelle en DVD. Salut mon Patrick. Quel talent. Il est monté de Marseille pour le 6-9. Il a une mine resplendissante. Et il nous apporte un peu de soleil avec ton accent. Oui. Le regard, tu bronzes. C'est vrai, il faut se mettre bien en face. Alors, on a appelé un boulanger avec ta voix. Ah bon, je sais pas si t'as reconnu, on va voir. La voix de Patrick Bosso et le boulanger qui s'énerve. Voilà ce que ça donne. Oui, allô ? Oh, allez, alors, ça va ? Vous faites erreur, là. Quoi ? T'es dans une boulangerie, là ? Oui, c'est à quel sujet ? Quoi, ça, à quel sujet ? Enfin, tout dépend de la région, hein. Et vous êtes qui ? Permettez-moi donc de me présenter. Ouais. Je m'appelle Patrick Bosso. Et ta mère, c'est Patrick Bosso aussi ? Non, si vous m'avez cru, c'est parce que je fais super bien l'accent. Ta mère, elle fait bien l'accent aussi ? Oui, qu'est-ce que je fasse pour vous ? Je t'ai rien demandé, moi. Oui ? Quoi, oui ? C'est pas des conneries, hein ? Quoi, c'est pas des conneries ? Oui. Quoi, oui ? Oui, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous ? Mais je t'ai rien demandé, moi, putain. En fait, il croit que c'est... Allô ? Pas toi. Gilbert ? Non, c'est pas Gilbert, non. Patrick ! Non, c'est pas Patrick, c'est ta mère, connard. Qu'est-ce qu'il a avec ta mère ? Pardon, c'est encore moi. Le voir, ça va être ça toute la journée, là. En plus, le cheval de Zorro, il s'appelait Tornado. Je suis en train de travailler, alors on me casse pas les couilles, t'as compris ? Mais ça veut dire que celui qui ne se touche pas les couilles dans la vie, c'est qu'il en a pas. Je suis en train de travailler, là, alors c'est pas que ça ferme maintenant, t'as compris ? Oui. Alors tu rappelles pas. On s'en déconne, tu comprends pas le français ? Oui, alors ? Quoi, et alors ? Oui, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous ? Non, mais je t'ai dit de pas rappeler, je suis en train de travailler, tu es en train de me faire chier, là, d'accord ? Ça fait peur, hein ? De quoi j'ai peur ? J'ai peur de toi, tu crois que tu me fais peur, enculé ? Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Allô ? Oui ? J'arrête là que ta grand-mère d'appeler là ! Vous trouvez ton MacGyver ou quoi ? Non mais c'est qui là ? Je m'appelle Patrick Bosso. Mais t'es fou toi ou quoi ? J'ai 20 ans. Je mesure 1m88. Et je pèse 56 kilos. Ouais, tu vas te faire enculer aussi. C'est une drôle d'époque. Bon. Tu es un nouveau ami, mais vous lui avez dit après que c'était... Non, pas bah non, c'est pas drôle sinon. Ah bah non, il laisse le truc comme ça. On a donné ton numéro privé, évidemment. Il est très poli et j'ai l'impression qu'il aime beaucoup ma mère. Je suis pas sûr qu'il achète le DVD, lui. Je suis pas sûr, non. Hein, mais tu n'iras pas non plus dans sa boulangerie, je te rassure. Je retiens quand même cette phrase historique de Patrick Bosso. Mesdames et messieurs, il est 8h10 du matin, nous sommes mercredi. Celui qui ne se touche pas les couilles dans la vie, c'est qu'il n'en a pas. Voilà, méditez là-dessus. Au revoir, merci. T'es content, Max ? On t'a bien vengé ? Eh ben, merci beaucoup, les télévengeurs. Merci, les gars. Ciao, à bientôt. Toi aussi, envoie un mail à Geronimo@energie.com et il te vengera.